Bonjour, je suis Émilie Goudal du magazine Ma Maison. Je suis l'animatrice de l'espace Habitarn Conseil créé par Albi Expo. Pour inaugurer la première conférence du salon Habitarn 2021, nous accueillons Sophie et Evelyne de l'association de défense des consommateurs UFC Que Choisir Tarn. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors vous souhaitez intervenir aujourd'hui sur la construction et la rénovation, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Bon, mais très bien. Alors, quel point allons-nous aborder aujourd'hui? Alors, plusieurs points pour engager des travaux en toute sérénité. Voilà, toutes les formalités qu'il convient de respecter. En premier lieu, le choix des professionnels. Voilà, donc on va aborder un peu ce thème. Il est indispensable de recourir aux services de professionnels qualifiés proches de chez vous. Voilà, on va insister sur la notion de proximité. Parce que nous, en agence, après, on reçoit beaucoup de clients qui se trouvent un peu démunis face à une entreprise qui n'a pas de service après-vente sur place. Bien sûr. D'ailleurs, comment savoir si un artisan est sérieux? Ah, alors là, question difficile. Oui. Attention aux avis Internet, voilà, qui ne sont pas toujours fiables. Les certifications Qualibat et RGE sont assez intéressantes pour jauger un peu le sérieux de l'entreprise. Sinon, il existe des sites que l'on peut consulter, société.com, Infogreffe, Bodac, pour connaître un petit peu la date de création de l'entreprise, les actes juridiques importants, les événements. Voilà, ça nous permet de connaître la situation de l'entreprise globale. Voilà. Très bien. Voilà. Ensuite, donc, pour selon l'ampleur des travaux, on peut aussi faire appel à un architecte qui va chapeauter l'ensemble des travaux et simplifier nos démarches. Oui, parce que l'architecte, il va mettre en lien aussi voilà. Avec tous les professionnels. Voilà. D'accord. En parlant de lien avec les professionnels, il existe des plateformes de mise en relation. Voilà. Mais à ce niveau-là, il faut quand même faire attention, vérifier que la mise en relation elle se fasse bien de manière gratuite. Oui, voilà. Ouais, d'accord. Qu'il n'y ait pas de commission sur les prestations. Mm-hmm. Voilà. Et que Et vous pouvez citer une plateforme gratuite, peut-être Non, sans forcément dire. J'ai vu qu'il y en avait une sur un stand gratuit, mais je ne donnerai pas forcément de nom. Non, mais ça peut être intéressant, ouais. C'est vrai. Voilà. Soyez vigilants aussi à l'utilisation de vos données personnelles quand vous vous inscrivez sur Internet. On a été confrontés ce type de plateforme donc, qui vous mettent en relation. Oui. Mais vous remplissez une sorte de formulaire d'information et finalement, vous êtes contacté par une entreprise qui directement vous envoie un bon de commande. Donc attention type de plateforme. Hein, voilà. Et surtout que vous risquez d'être mis en relation avec une entreprise, mais ça risque d'être un contrat à distance. Ce n'est pas forcément une entreprise locale. Dans ce cas-là, la législation du démarchage à domicile est applicable dans le délai de rétractation. D'accord, voilà. Le délai de rétractation de 14 jours. Voilà. Voilà. Okay. On peut aborder aussi le devis qui est un thème important en termes de travaux. Alors, il n'est pas obligatoire, mais en termes de travaux, il l'est. Il est très important pour apprécier la prestation envisagée, bien entendu, le prix, éclairer votre choix, comparer entre diverses entreprises. Oui, c'est important de pouvoir comparer. Voilà. Voilà. Et ça permet aussi de sécuriser la transaction dans le sens où vous allez vous engager mutuellement et ça permet de préciser le contenu des obligations de chaque partie. Voilà. Il a des formalités obligatoires mais que je ne vais pas forcément citer parce voilà, c'est il y en a un certain nombre mais il a une durée de validité de 3 mois si cette validité n'est pas prévue expressément dans le devis. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous dire à propos du devis? Il n'engage pas tant qu'il n'est pas signé. Très bien, oui, c'est important. Voilà. Okay. Pas de délai de rétractation dans ce cas-là. Hein. On a beaucoup de questions à ce niveau-là. Lors des rendez-vous, est-ce que je peux me rétracter? Non, il n'y a pas de délai de rétractation suite à la signature d'un devis. Okay. Voilà.
quand on a fait la démarche d'aller vers un artisan, oui. Voilà, on n'a pas de délai de rétractation. Voilà. Non, mais c'est très clair pour les devis, en tout cas. Voilà. Oui, oui. Voilà. Ils sont souvent assortis d'un acompte. Hein, d'un acompte à la commande, en général entre 10 et 30%. D'accord. Voilà. Et c'est obligatoire, toujours un acompte ? Non, il n'y a pas d'obligation. D'accord. Non, non, mais en général, c'est pratiqué. Hein, dans le domaine du bâtiment, c'est souvent pratiqué. Très bien. Voilà. le devis est en principe gratuit, sauf s'il y a une mention express de sa facturation. Hein, parce que si on n'en a pas été informé, on peut en demander le remboursement. Hein. Voilà, ça doit être très clair au niveau du consommateur. Voilà, voilà pour le devis. Vous êtes engagé à partir du moment où vous avez signé, bien entendu, des deux côtés. Hein. Le délai d'exécution des travaux doit être indiqué, parce que là aussi, c'est un point qui est assez litigieux. C'est pas évident, oui. Voilà, les délais, le respect des délais, il doit apparaître dans le devis. Mm-hmm. D'accord. À défaut, on va considérer le délai d'un mois pour la livraison ou l'exécution. Voilà. Donc, Et c'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de pénuries aussi au niveau des matériaux, donc les délais des professionnels sont rallongés aussi. Tout à fait. Ça doit apparaître sur un devis. Ça doit apparaître sur le devis. Là, effectivement, on est dans une période un peu particulière où ces retards-là n'ont pas été prévus, donc ils n'apparaissent pas toujours dans les devis. D'accord. Voilà. Voilà pour le devis. Un point important aussi au niveau des travaux, c'est la réception des travaux. Voilà, c'est un acte juridique en fait qui signifie l'achèvement des travaux. Oui. Mais il n'est pas toujours connu du grand public. Donc, pourtant, c'est un acte très important. Voilà, à ce moment-là. Lors de cette visite, on peut céder du devis si on n'est pas un expert du bâtiment, mais il convient de relever toutes les malfaçons, les désordres, constatés. D'accord, voilà. Oui, c'est important. C'est voilà, ça fait partie ça fait partir le délai de plusieurs garanties après. Donc, c'est vrai que c'est une étape importante dont on n'a pas toujours connaissance. Qui n'est pas forcément connue. Oui. C'est intéressant. Voilà. Ben merci en tout cas pour ces précisions. Moi, j'ai une petite question. Quelles sont les clés, si vraiment on veut bien suivre un chantier, que ce soit un chantier de rénovation ou de construction, quelles sont les clés pour bien le suivre ? Alors, comme indiqué, donc il y a le choix du professionnel, un devis détaillé, d'accord ? Se rendre, faire des points réguliers sur le chantier, se rendre assez fréquemment sur le chantier, vérifier que le devis est respecté. D'accord, les plans également. Voilà les points principaux. C'est déjà pas mal. Et quelles sont les assurances qui vont protéger les consommateurs ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Parce que c'est quand même important. Oui. Alors, donc justement, après la réception des travaux, démarre le délai de certaines assurances. En premier lieu, il y a la garantie de parfait achèvement. D'accord. Cette garantie-là, elle est d'une durée d'un an. C'est une garantie légale, donc il n'y a pas de souscription à un contrat d'assurance. C'est une garantie légale, donc, qui permet de lever les réserves qui ont été émises lors de la réception des travaux. Voilà, donc pendant ce délai-là, on a un an pour demander à l'entreprise de venir lever les réserves et réparer les désordres constatés. D'accord. En deuxième lieu, il y a la garantie biennale de bon fonctionnement. C'est une garantie de 2 ans qui est légale aussi, donc pas de contrat d'assurance. Elle est prévue par le code de la construction et le code civil. Elle couvre, elle, les éléments d'équipement du bâtiment. Donc, les éléments dissociables qui fonctionnent. Donc, c'est une garantie de bon fonctionnement. Donc, ils doivent fonctionner. Par exemple, une chaudière murale. Oui. Voilà. Okay. La fameuse garantie décennale. Ah oui, on entend parler. Voilà. Pouvez-vous dire un petit peu plus sur cette garantie ? Donc, c'est une garantie de responsabilité que doit souscrire le constructeur. D'accord ? C'est pas au client de souscrire une décennale, c'est le constructeur. Mm-hmm. Elle couvre les dommages qui ne sont pas apparents à la réception des travaux, mais qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination. Voilà, même si cela résulte d'un vice du sol. C'est tous les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage. D'accord. Très bien. Ça veut dire que tous les artisans sont obligés d'avoir cette garantie-là. Voilà. Il est très important, avant d'engager les travaux, de vérifier la présence d'une attestation de garantie décennale.
et de vérifier également que les travaux qu'on envisage font partie des garanties. Parce qu'on a eu des cas aussi où la personne a disposé d'une attestation décennale, mais pas pour le type de travaux qu'elle avait demandé. D'accord. Voilà. Voilà, donc c'est une garantie de 10 ans. Hein. 10 ans. Voilà. Et il existe aussi la garantie dommage-ouvrage, alors qui, elle, n'est pas connue, pourtant elle est obligatoire. Qui elle est souscrite donc par le maître d'ouvrage, et qui permet d'obtenir en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement de la réparation des dommages qui ressortent qui relèvent de la garantie décennale. D'accord. Voilà. Bon, mais très bien, c'est vraiment intéressant. Evelyne, est-ce que vous aimeriez aussi au sujet de la garantie décennale? Donc, est-ce qu'elle se fait en même temps, la garantie dommage-ouvrage, est-ce qu'elle se fait en même temps que la garantie décennale? Oui. Oui, elle démarre... Donc, les deux se superposent. Exactement. Les deux se superposent. Oui. Mais par rapport à la garantie dommage-ouvrage, on va faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance et on obtiendra le paiement de tous les désordres qui sont constatés sans qu'il y ait besoin de rechercher une responsabilité. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Après aussi, il était quand même important de mentionner l'intérêt des protections juridiques, des contrats de protection juridique, parce que quand on est confronté à un litige concernant les constructions, il est souvent utile d'avoir l'avis d'un expert. Et certains contrats de protection juridique prennent en charge les frais d'expertise. Voilà. Mais bon, voilà, le contrat, il faut qu'il ait été souscrit avant le début de la construction. Attention au délai de carence aussi. Et comment ça se passe pour une rénovation? C'est la même chose. C'est la même chose. Construction, rénovation, c'est la même chose. Protection juridique, c'est général. On ne va pas la souscrire pour des travaux. D'accord. C'est un contrat qui ressort souvent de l'assurance responsabilité civile. Oui. Et voilà, il y a différents types de contrats. Donc, il faut évidemment que les travaux rentrent dans les garanties de ce contrat de protection juridique. Très bien. Voilà. Evelyne, peut-être, vous voulez nous parler aussi de l'association... Nous en dire un petit peu plus. Oui, alors nous représentons donc l'Union fédérale des consommateurs, que l'on appelle couramment l'UFC. Et on connaît ses actions locales et nationales, donc défendre et promouvoir les intérêts des consommateurs. Donc nos agences locales nous permettent d'être en phase avec la réalité du terrain, d'être au plus près des consommateurs, dans tous les domaines d'ailleurs, hein, pas que dans le domaine de la construction. Et donc ça aide, nous aidons les consommateurs à se faire respecter par rapport aux achats qu'ils peuvent faire ou aux projets qu'ils entreprennent. Bien sûr. Et si, par exemple, moi, je suis un consommateur et que j'ai un litige, où est-ce que je peux venir vous trouver pour vous poser des questions? Oui. Alors, notre agence départementale se situe donc à Albi, aux 3 places du Palais, donc derrière le Palais de Justice. Et nous avons aussi une agence locale à Castres. Très bien. Rue des Boursiers. Et nous avons des permanences aussi ponctuelles sur Carmo, Gaillac, Lavaur et Saint-Sulpice. D'accord, très bien. Mais en tout cas, tous ces renseignements aussi, vous pourrez les retrouver sur votre stand qui est juste à côté. Exactement. Pour les personnes. Vous voulez rajouter quelque chose peut-être, Evelyne? Non, nos assistants juridiques et nos bénévoles, parce que nous fonctionnons surtout avec les bénévoles, donc accueillent les consommateurs qui ont un problème ou un litige sur rendez-vous. Très bien. Merci pour cette intervention. En quelques mots, les points importants qui sont à retenir pour entreprendre sereinement une rénovation, qu'est-ce que vous diriez? Donc voilà, comme on a dit, le choix du professionnel, avec de la proximité. Un devis détaillé qui nous permet de bien nous rendre compte de l'ampleur des travaux. Une réception des travaux faite dans les règles de l'art, c'est-à-dire avec un devis pour appui et un rendez-vous assez approfondi. Et on n'a pas parlé de la facturation, mais une facturation conforme au devis. Très bien. Voilà.
Mais je vous remercie. Avant de nous quitter, nos visiteurs ont peut-être des questions. Il n'y a pas de questions. Donc moi, je vous invite à vous rendre sur le stand, comme je vous ai dit, qui est juste à côté du plateau. Je vous remercie et notre première conférence s'achève. Nous nous retrouvons dans quelques minutes pour aborder l'investissement locatif avec l'ADIL. Merci à vous. Merci, mesdames. Merci. C'est nous qui remercions Habitat. Merci. À bientôt.